I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV, pas sur mon Twitter. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'ai assez dans le costume, je suis nouvelle voilée. Je vais pas changer de comportement en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps, mais je vais être sur la bonne voie. C'est ça l'essentiel. Bah idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez parce que je ne veux pas que vous changiez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir. C'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir. C'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate. Je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça. Mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Geoffroy Lejeune. En fait, c'est exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire cette stratégie de provocation permanente pour essayer d'enfoncer des portes. Comment on peut réagir? Comment on peut répondre? Par exemple, dans ce cas précis, la jeune femme s'est vantée sur les réseaux sociaux de mettre sur son profil LinkedIn pour être embauchée des photos sans voile, puis d'aller à l'entretien avec un voile. C'est comme à Maurice Ravel par exemple, le proviseur qui doit démissionner parce que quelqu'un a essayé de forcer la porte avec un voile de son établissement. Comment on peut répondre à ça? Vous venez de dire comment il fallait répondre sur le plan culturel, mais comment les pouvoirs publics peuvent répondre à ce genre de provocation? C'est toujours la phrase, vous savez, de Pasqua en 86 quand il avait dit la peur va changer de camp. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, dans une société, quand vous avez des gens qui nous font la guerre, il faut les désigner. Et ensuite, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et face à l'intimidation, je reprends mon expression, il faut l'indignation. Il faut commencer par là. Or, le pauvre gérant, là, vous savez, il n'a pas beaucoup de messages. Hein. Tout le monde se planque. Casque à pointe, côte de maille, tout le monde aux abris. Et donc, la première chose à faire, c'est se lever, se dresser et regarder dans les yeux ceux qui veulent notre mort. Ceux qui veulent mettre fin à notre civilisation. Puis la deuxième chose, y a des parlementaires, il y a un gouvernement. Donc là, il y a une justice. Là, il y a un double délit.
Le premier délit, c'est qu'elle doit respecter le règlement intérieur. Il y a forcément un règlement intérieur. Le gérant, il n'a pas dit ça comme ça. S'il y a un règlement intérieur, c'est un délit. Elle n'a pas à rester avec un voile. Et ensuite, il y a un deuxième délit, c'est la provocation. La provocation, elle met une cible sur ce gérant, qui est une sorte de Samuel Paty du commerce. On ne peut pas accepter ça. Et normalement, le président de la République, il intervient tout de suite dessus. Et le garde des Sceaux, il intervient tout de suite en disant « Nous ne laisserons pas ce gérant tout seul. Non, vous n'êtes pas tout seul. » Moi, je lui dis « Non, vous n'êtes pas tout seul. On est là avec vous. » Voilà. Et donc, face à des gens qui nous font la guerre, il faut imposer... Moi, quand j'étais petit, on disait « La violence est un péché, la force est une vertu. » Il faut imposer la force. Et un peuple fier, c'est un peuple fort. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois. Bien, bonjour. Je vais y aller de mon commentaire. En tenue d'été, vous voyez, ça change, puisqu'aujourd'hui, on a une journée formidable. Soleil, chaleur, ça nous fait un bien fou. Alors, je vais y aller de mon commentaire. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire qu'il y a instrumentalisation d'une jeunesse qui a été poussée à faire ce genre d'acte. Il est très très facile, si vous voulez, de manipuler des personnes qui n'ont pas de cerveau. Vous avez toute une génération, voire toute une population, avec 3 ou 2 neurones qu'on peut instrumentaliser et manipuler très facilement. Ils font partie de cette génération qui ne savent pas comment s'opposer au système, si ce n'est par ce type de transgression et d'utiliser l'argument religieux, l'argument du voile, l'argument de l'islam. Ils tombent en plein dans le piège. Ils imaginent par là même se victimiser, ils imaginent par là même emmerder le système, bien qu'ils sont tous à poindre, soit au RSA, soit au chômage, soit aux allocs, tout ça. Ils aiment recevoir cette manne financière qui vient d'une population qui travaille, qui est de plus en plus minoritaire et qui fait vivre le pays, qui travaille pour nourrir toute cette jeunesse oisive qui ne sait comment faire pour se faire remarquer sur les réseaux, etc. Et puis derrière, vous avez évidemment les gens qui tirent les ficelles, les gens qui instrumentalisent et les gens qui sont heureux de ce type de phénomène. Pourquoi? Parce que quand vous avez un fait divers de cet ordre-là, qui se multiplie, qui doit avoir lieu, j'imagine, dans plein d'endroits, parce que la situation aujourd'hui dégénère, et on a évidemment une manne de jeunes comme ça complètement égarés, idiotes, femmes et garçons idiots qui se sont laissés entraîner dans une instrumentalisation dont ils ne sont même pas conscients, mais qui œuvrent pour l'état profond, qui œuvrent pour ce fameux état profond qui cherche bien entendu à créer le chaos. Comment vont-ils créer le chaos? Ben voilà, vous avez un fait divers, donc il est vite fait instrumentaliser, on a les projecteurs dessus. Vous avez toutes les bonnes personnes de droite qui sont scandalisées, donc ils vont, et les jeunes plutôt de droite qui en ont ras-le-bol et donc ils vont s'exprimer immédiatement, injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'on attise, avec ce type de faits divers et de manipulation, on attise le ressentiment chez une partie de la population, je dirais plutôt classique, de droite, etc. Et donc ces gens-là vont s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et donc, on va leur reprocher, bien entendu, ils sont tellement attisés et tellement énervés qu'ils vont s'exprimer avec des propos haineux, les fameux propos haineux. Donc ils vont être censurés, ils vont être marginalisés. Et du coup, on retourne la soupe, c'est-à-dire qu'on attise une population, on la provoque de façon à ce qu'elle tombe dans le piège de s'exprimer avec des propos soi-disant haineux. Évidemment, il en faudrait, évidemment, ça vous énerve, ça vous excite, donc vous avez envie de vous lâcher sur les réseaux, vous êtes repéré, condamné et marginalisé, et on dit, c'est vous les haineux, c'est vous qui haineux, alors qu'on fait tout, c'est vous qui avez la haine. Et donc, du coup, vous êtes stigmatisé
à cause d'une fille qui n'a rien dans le ciboulot, mais qui va justement provoquer une réaction d'une population qui, elle, est plutôt tranquille, mais qui va être, dont le sentiment va être exacerbé par ce type d'alimentation médiatique autour de laquelle on va tourner. Donc vous allez avoir une population, si je me fais bien comprendre, qui va être stigmatisée sur les réseaux, on va dire qu'ils vont être censurés, on va les poursuivre même pour haine, pour appel à la haine, etc. Et vous avez la victimisation de la personne, de la jeune personne, en disant « mais quoi, qu'est-ce que c'est ?» toute la branche gauchiste, médiatique, et qui est là derrière en disant « mais il faut autoriser le voile, il n'y a pas de raison, pourquoi cette jeune fille, elle est stigmatisée ? On vient de faire une loi contre la discrimination capillaire, ben là on peut faire d'autres lois de ce type-là, qui sont totalement, évidemment, des processus qui tendent, si vous voulez, à provoquer chez les gens normaux, les gens constitués normalement, à les marginaliser. Il faut absolument qu'on stigmatise et qu'on marginalise les gens normaux pour justement, par ce type de provocation, de façon à ce qu'ils ne qu'on puisse les soumettre, si vous voulez, en leur disant « mais voyez, c'est vous qui colportez la haine, c'est vous les méchants ». Et tout cela est voulu. Et en plus, vous avez une situation explosive dans la société parce que vous avez une partie de la jeunesse qui est islamisée ou plus ou moins qui s'identifie à l'islam et qui vont se sentir, qui vont profiter de cette occasion pour à nouveau être provocateurs autour d'eux, tester l'État, les forces de l'ordre, etc., les provoquer et créer ainsi une forme d'ambiance de guerre civile. Tout y est, on a tous les ingrédients, si vous voulez, pour créer une ambiance de guerre civile avec une frustration de plus en plus vive à cause du fait d'être interdit de parole pour ceux qui seraient éventuellement scandalisés par ce type de comportement. Vous avez une jeune femme qui a mis un panneau pour dénoncer les étrangers violeurs, elle était mise en garde à vue, il y a une perquisition à son domicile, parce qu'elle est plutôt de tendance droite identitaire. Donc là, le procureur de Besançon et toute la smala de la gauche et des élus de gauche sont contre cette personne qui s'oppose à des étrangers violeurs. Et bien là, cette jeune femme qui vient provoquer et qui a mis un revolver sur la tempe de ce pauvre gérant qui est pris dans une spirale infernale, eh bien là, personne ne va l'inquiéter, l'État ne va pas l'inquiéter parce qu'ils ont la trouille, évidemment. Mais pourquoi ils ont la trouille? Parce que derrière, il y a des forces qui soutiennent ce mouvement-là. Et le jour où ils voudront arrêter, ils arrêteront. Mais pour l'instant, ça les amuse de créer le chaos en France. Vous avez toute une... Il faut savoir d'où vient le mal. Le mal vient des Julien Drey et compagnie qui, à l'époque, ont organisé, si vous voulez, des mouvements soi-disant antiracistes qui étaient là justement pour créer une future génération que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire abêtie par les réseaux, avec une éducation zéro et des gens qui n'ont plus rien dans le ciboulot et qui donc vont multiplier ce type de vos provocations, ils vont s'en amuser, et les gens normaux en face, qui travaillent encore, qui ne demandent qu'à être tranquilles, ben ils vont être dérangés, et ils ne pourront plus se défendre, ils ne pourront plus parce qu'ils sont stigmatisés systématiquement. C'est une opération de pervers, c'est une opération, si vous voulez, qui est très perverse, parce qu'elle est à plusieurs bandes, si vous voulez, c'est pas que ces jeunes qui sont, évidemment, ces jeunes-là sont coupables de provoquer ainsi des éventuels employeurs, mais c'est plus profond que ça. Ces jeunes-là sont véritablement le produit d'une instrumentalisation qui a été voulue par des gens bien plus intelligents, qu'on ne peut pas nommer, mais qui sont à l'œuvre pour détruire la société française, pour créer un chaos dans la société française, voire une guerre civile. Et c'est cela que je voulais rajouter. Il est important, il sera important que Philippe de Villiers identifie d'où vient ce mal, l'identifie et le dénonce, parce que c'est pas tout de dénoncer ces comportements que l'on a aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit d'un long travail qui a été entrepris il y a plusieurs années et dont on voit aujourd'hui les fruits. Bonne journée ensoleillée et à bientôt.